Ouais, le botrix, nickel. Ça sent juste, voilà. Ah ouais, nickel, merci. T'inquiète. Bon, du coup, faut fouiller les lieux, faut débarrasser des renégats, mais bon, ça... Ok, ils sont en bas. Ah, du coup, ils l'ont capturé ? Est-ce qu'ils ont capturé le doc ou pas ? On va voir, hein. On va très vite le savoir, je pense. Mais mince. Tu dois crocheter la porte ? Ouais, c'est un facile en plus, et j'ai plus de crochet. Attends, est-ce que ça marche, moi, maintenant ? Je viens de casser mon dernier. Crochet commun. Attends, ça marche, je crois, là ? Ah non, ça marche bah, absolument bien, pas. Hein. Ah si, ça y est. J'en ai marre d'avoir tout crocheté, je t'avouerai. Ça marche. Bah voilà. Regarde-moi ça, eh, professionnalisme, one shot. C'est bonjour. Oui, bah, c'était mon premier. Oui. Ok, j'ai cassé mon crochet dessus, mais... Peut-être que c'est pour ça que... Vrai, ça. Que je l'ai mauvaise. Oh oui, c'est vrai, ça que tu peux... Putain, coup de pied. T'en as mis en même temps. Ça n'a plus aucun sens. Mais attends, hé, attends, il y a un combo à faire, je me dis. Quoi? Attends, il y a un truc à faire. Bah attends, bah tu le lui, ah c'est bah... pas grave. Ah ouais, bon. En gros, vu que après moi j'ai le truc pour éclater les têtes des gens une fois qu'ils sont au sol. Ouais. Même les coups de pied en intérieur, c'est trop fort au final. Pourquoi j'ai pas pensé tout à l'heure? J'avais oublié ça. Parce que c'est-à-dire qu'en gros là, vas-y, il me faut des gens. En il gros, des on gens. Pousse des mecs. Ouais. Il y en a de l'autre côté. On pousse des mecs et une fois qu'ils sont à terre, il faut que je les rush et je leur éclate la tête par terre. Ok. Ouais. Et du coup, ce sera quand même du one shot, enfin du two shot quoi du coup. C'est par où, dis-moi? Attends, là, il y a une crochetage intermédiaire, peut-être là, non? Ah bah vas-y, moi je te laisse souffrir, moi, maintenant. Alors là, tu vas faire tous les crochetages, hein. Attends, maintenant que t'es au courant? Hop là! Allez, bah tu vas tuer en plus. Oh, ça va, j'y arrive. Intermédiaire, oh, attention. Les renégats, et à présent, toi? Du calme, je vais pas te faire de mal. Je suis ton ami. Où est Véronica? Pourquoi tu veux le savoir? J'ai besoin de son aide, et on dirait bien qu'elle a aussi besoin de la mienne. Est-ce qu'elle va bien? Elle a réussi à s'échapper. Je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle est maintenant? Non, mais on pourrait essayer de la contacter. Véronica? Véronica? Tu vas bien? Véronica? Merde. Il y a un truc qui cloche. Oui. Je vais bien. Et toi? Maintenant, oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Docteur Ryan, c'est moi, Aiden. Je sais que les renégats sont à vos trousses. Vite, Aiden. Des renégats risquent de débarquer d'un moment à l'autre. Jack Matt m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE. Je dois accéder à la base de données du GRE à l'observatoire. J'ai une clé du GRE. Une clé d'accès du GRE? C'est ce qu'on m'a dit. Pensez-vous pouvoir... Faut qu'on se voit. Je serai dans un petit bâtiment près du barrage, non loin de l'observatoire. D'accord, je... Allô? Fais attention, Aiden. Cet endroit est bourré de produits chimiques. Pas de problème. Merci de m'avoir prévenu, Vincenzo. Attendez, on va... Eh bien... On va laisser la vie, là? On dirait que, malgré tout, tu m'as sauvé la vie. Justement, j'allais faire la même réflexion. Aiden. Attends, mais il est pas en super état en fait, peut-être pour qu'on laisse là le mec. T'as vu son bras en plus? Parce qu'on est arrivé, on lui a dit vas-y, tu peux contacter elle, merci, allez, salut. C'est vraiment sale en fait. Mais regarde son bras et tout. Oh là là, mais il va. Ouais, il va mourir ce monsieur. Hein. Bon, bah on sort. Bon, ouais, je pense. C'est où la sortie? Ah, c'est là. Oui, justement, je regardais. Ah non, c'est pas là-bas, j'ai eu le bas vrai. C'est pas par là. Ah, le sens de l'orientation, c'est horrible. Non, mais attends, mais je suis où là en fait? C'est pas là? Si, c'est en haut. Ah bah si, c'est là. Ici c'est bien haut, ouais. Mais c'est très loin, kilomètre 6, attends, moi j'ouvre la map, hein. On peut TP? Ah bah c'est en bas de nouveau. Bah on TP Attends, ouais. Moi je... Attends, il y a un métro là, on peut pas? Attends, c'est où, je vois? En fait c'est en bas de la map. Ah mais c'est tout là en bas, ah oui. Bah ouais. Attends, mais où est-ce qu'il est le point de TP là? Là je vois un tram, je sais pas quoi. J'ai un métro, mais il n'y a pas de TP dessus. Ah, mais peut-être c'est la nuit. Bon, je sais pas si ça afflue vraiment, hein. Ah non, c'est durant... Quoi? Impossible d'utiliser le voyage rapide durant une quête, c'est une blague? Mais non.
Ah bah si, hein. Et c'est où que t'arrives à faire ça ce chemin. Bah pour tous les trucs de voyage rapide, quoi. Ok. Non, mais on peut du coup, je pense. Super. Bah écoute, on va trouver un truc pour passer la nuit déjà. Attends, déjà, il faut trouver un truc pour sortir d'ici. C'était où la sortie? Bah c'est par là. Rien de plus simple. D'accord. Moi, tu n'as rien fait, c'est passé à travers, mais ouais, ok. J'ai un écran. Aiden, t'en as déjà assez fait comme ça. On a une grande dette envers toi. J'ai juste peur que la One ne parvienne pas à accomplir sa mission. Nos amis nomades ont retrouvé la trace d'un des principaux chefs renégats. Il est dans un bâtiment tout à l'ouest de la garnison, à côté du pont du Mont Lucide. Alors c'est pour ça que Damior t'aidait. Correct. L'éliminer avant d'attaquer le colonel est crucial. Et urgent. Oh là là. Fais quoi? Je... Une attaque, ça peut être du combat. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, on va comboter. Il restait une seconde, donc... Attaquer le colonel. Oui. Je vais donner au boucher ce qu'il mérite. Et cette ville, elle mérite de vivre en paix, Aiden. Je suis sûr que t'es d'accord. La question est de savoir si t'es prêt à m'aider à y parvenir. Enfin, je me dis, c'est de l'action, ça peut être sympa, quoi. Mais je dois vraiment m'occuper du docteur Ryan. Je comprends. Bonne chance, Aiden. Bah attends. Il vient de dire le docteur Ryan alors que on allait aider. Je comprends plus, moi, les choix. Bah... Ouais. Non, dégueulasse, ça. C'est dégueulasse, on est en pleine cinématique. On en pense vite, là, mais non. Bah, il y a l'heure qui s'est mis à gueuler. Mais attends, mais je suis mort. Non, mais j'avoue que par contre, là, c'est un peu dégueu. Bah ah oui, on est en pleine... Bon, bah, c'est pas grave. Ok, donc, les quêtes. Moi, j'étais même en train de regarder les quêtes et tout, parce que j'avoue, je comprends pas. Rejoignez Véronica. Mais attends, mais... C'est pas la première fois que j'appuie sur un dialogue et que j'ai l'impression qu'il nous fait l'inverse. Qui prend pas du tout en compte ce qu'on dit, quoi. Attends, par acquis de conscience, je vais quand même vérifier sur quoi j'ai cliqué parce que là ça me met en doute à force. Non, je pense que c'est pas toi, hein. Non, attends. Hop. Je vais vérifier. Tu as aidé les pacificateurs. Oui, mais seulement pour arriver jusqu'ici. Aitor. Il cherchait à faire le bien au vieux Vildor. Mais la haine entre le bazar et les pacificateurs a pris trop d'importance. C'était devenu une véritable poudrière. Et ces renégats, pourquoi ils cherchent? Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GRE. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant? Pour ma sœur? Oui. Je cherche ma sœur. Ta sœur faisait partie du GRE? Non, elle était leur prisonnière. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Une prisonnière? Tu veux dire un de leurs cobayes? Je sais pas ce que je vais trouver. Elle est la seule famille qui me reste. La seule réponse à ce que Waltz nous a fait. Waltz? Il nous y retenait. Il prenait plaisir à expérimenter sur des enfants. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'occupais qu'un poste intermédiaire. Je suis désolée. T'as besoin de savoir autre chose? Ou on peut y aller? Oh, comment on va aller à l'intérieur? Ouais. Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire? Écoute, il y a un tunnel de sécurité qui mène au complexe. Il a été verrouillé il y a plusieurs années. Donne-moi la clé. Bah non, en fait. Non, là ça suffit, non. Ouais. Mais non. Ah bah fait, voilà. Je mais Aiden, il est trop gentil, moi-même, c'est en fait. Eh, je vais me servir de la clé, hein. Elle va se la mettre dans la tu poche et voilà. La clé fonctionne? Elle fonctionnait avant. Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux mon avis. Bien. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. On doit faire le tour, du coup? Bah, elle me dit viens avec moi, mais je l'ai vu disparaître, alors oui, je comprends elle, pas. Elle s'est taillée. Ouais, c'est peut-être un... Ouais, je pense qu'il faut faire le tour. Ouais, je pense.
Tu vois les dômes? Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques. Le GRE avait une solution à ça. Quand ils ont créé le THV GenMod, ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition. Le THV quoi? Les produits chimiques. Ils étaient chargés en agents bloqueurs, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore deux doses. Ah mais on est trois. J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre. Oh, elles doivent valoir une fortune. Elles sont très rares. Pour l'instant, il ne nous en faut qu'une seule. Pour toi. Deux. Oui, s'il vous plaît. Pourquoi juste pour moi, par contre? Ouais. Attends, tu viens pas? Non, je te rejoindrai. Mais je veux d'abord que tu rétablisses le courant dans le bâtiment. En fait, je souffre de crises d'angoisse quand je suis dans des espaces étroits ou dans le noir. Tu dois croire que je suis une lâche. Au contraire, je crois qu'il faut avoir du cran pour venir ici. Alors c'est parti. Quand tu y seras, tu dois d'abord rétablir le courant. Je pourrai alors te rejoindre. Donne-moi ton bras. N'oublie pas que la dose te protège contre les produits chimiques pour une durée limitée. Je peux pas prendre l'autre aussi? Non, pas en même temps. Ce serait beaucoup trop. Atteins le plus petit dôme aussi vite que possible. Et de là, rends-toi au plus grand. Tu devrais voir une porte qui mène à l'intérieur. Tu y seras en sécurité. Dirige-toi ensuite vers le bloc B, où tu devrais trouver le principal disjoncteur de l'immeuble. Dès que tu auras rétabli le courant, la porte de sécurité sera déverrouillée, et je pourrai te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré. Allez, vas-y. L'agent bloqueur fonctionne. Par contre, la clé du GRE, c'est toujours avec Pila, non? Non, elle nous l'a rendue. Nous l'a rendue? Okay. Vite, vite, vite. Mais vite, donnez l'endroit, là, c'est où? C'est, tu vois le prince, moi? Ouais, ça y est. Ça va, 40 secondes, on est large. Ouais. Par contre, pour le retour... Bah, le retour, j'espère qu'elle nous a mis une autre dose dans la poche, hein, puisque bon. Bah non, non, elle nous a dit qu'on en avait pas besoin et que ça ferait trop. Oh là là, c'est tellement bien de pouvoir monter comme ça. Et là, c'est ça, c'est le move que j'ai fait, le... Dysfonctionnement du circuit d'alimentation principal dans le bloc B. Protocole d'urgence lancé. Véronica, j'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. Rends-toi au deuxième dôme. Trouve une porte, une trappe. Ou ce qui pourra te mener en bas. D'accord. Ah, on va grappiner. Là, je sais ce qu'elle fait à ma stade. Mais ouais, c'est ça le move en fait, c'est que je peux courir à l'horizontale sur le mur, puis enchaîner un petit peu la verticale, j'ai l'impression, là, le stylé, truc que j'avais pris la dernière fois, là. Ah ouais, ça c'est... Bah, je suis mort. Comment ça? Ah merde! Véronica, ah, je me suis loupé au niveau du saut. Pour l'instant, tout va bien. En fait, comment tu connais... T'inquiète, cet endroit aussi bien? Il y a encore un arc. C'est à tour de ralentissement. C'est à tour de ralentissement, on se file pas mal tous les deux. Ah oui. Ouais, c'est parfois une malédiction. Vraiment. Non mais attends, tu vas être content. Il y a un arc. Ah ouais. Il est à 110 de dégâts. C'est pas mal. Toujours pas utilisé l'arc moi. Soit dit en passant. J'avoue que... On voit que c'est pas trop mon délire. Ah, là, c'est le grab. Ah, c'est ça, c'est que là, j'étais pas droit, en fait. Je dois sauter juste direct. Attends, t'es où? Oh, je pense que oui. Hein. T'as le grappin. Putain, à un moment, t'as une zone avec un grappin. Non, mais je suis... Oh, bah, c'est bon, alors. Je suis avec toi. Ah, bah, voilà. T'inquiète. Tu l'as pris, l'arc? Non. Là. Alors, déjà... Ouais, mais j'ai l'inventaire plein, en fait. Ouais, moi j'ai dégagé une arme du coup. Ouais. J'avoue que j'ai plein de trucs qui sont tout nazes. Hein. Bah, c'est vrai des que là. Castés encore. Hein. Bah, j'avoue qu'on a pas trié depuis un petit moment en fait. Tu sais que j'ai gardé mes katanas genre alors que maintenant ils sont tout nuls. Bah c'est pareil, là tu sais que j'en ai encore un, j'utilise, mais j'avoue qu'il est un peu. Il est un peu fini quoi. Ouais. Alors attends, du coup faut aller où là? Faut redescendre maintenant? Viens, ouais. Là. Ah, ok. Hop. Bonjour. Je cours là-dedans, tu sais, il va y avoir un truc qui va me sauter dessus, un rapace. Oula,
C'est du niveau 5, hein. Véronica, il y a une horde d'infectés ici. Merde. J'espérais que les lieux seraient vides. Eh ben non. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Utilise la torche UV de ta ceinture. Ça devrait suffire à les tenir éloignés. Ne t'arrête surtout pas. La torche UV de ta ceinture, attendez deux secondes. Je suis en panique. On court ? Je sais pas. Et la torche UV ? Ouais, j'ai mis la torche UV, je suis en panique ! Oh là là ! Bon, je suis en full panique, Ors. Hein. Non, t'inquiète, c'est ok. C'est que, et franchement, c'est que des zombies. Hein. Ouais, c'est vrai. Pire que ça. Ça va, en bas, tu peux passer les portes. Ouais, je suis derrière toi, je te colle de toute façon. Ouais, bah nickel. Y'a pas du toxique là par terre. Crochage facile, c'est pour moi. Vas-y, c'est pour toi. Attends, je vais faire un test. Bam. Et une fois que j'entends qu'il y a un truc derrière moi. Ah. Oh non, je vais fatac. Désolé. J'arrive. Je vais te cover. Bon. En fait, la technique de les finir une fois qu'ils sont au sol, ça marche pas parce que je les projette trop loin. Enfin, je les projette contre un mur à côté. Ah. Ah non, c'est pas par là, tu vas me dire. C'était l'autre côté si, en bas. Si, c'est par là. Non, ça va si. Ok. Bah, ça rejoint en fait. Il faut que les joueurs soient présents. Ça me fait peur, j'entends des gros pas. Oh, regarde en bas. Oh. Oh. Vas-y, saute. Non, non. J'ai pas confiance. J'ai réussi. Le courant est rétabli. Vas-y, je vais looter. Le tunnel de sécurité est ouvert. Attends. L'ascenseur pour te rejoindre. Tu vas te prendre de l'électricité là. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Moi j'y vais pas. Mais je m'en suis débarrassé. C'était des êtres humains avant. Ils méritent un peu de respect. C'est par où ? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? L'ascenseur ! Il y a une porte, non ? Je vois. Je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. Fais quelque chose ! Vite ! Non, mais c'est... T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Oui, c'est vrai que... Oh là là... Ça a pas déclenché... S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Ne t'en fais pas. J'ai juste besoin d'un moment. Me laisse pas ici. Bon bah c'est bon, on a compris. Moi j'ai pas compris. Bon, il va falloir traverser ça. Oh, c'est pas possible. Non mais ça va. Ouais ça va en fait, I'm ok. Ok. Attends, je voulais sauter. Attends, mais jusqu'où on est censé aller? Genre là-bas? Oh mon dieu! Pitié! Ah, c'est là. Pitié, je veux sortir de là! Mais bon, bah ça va. Ah, tiens. Ah, câble 1. Toi, ça. Ah, ok. Et c'est en face après. Mais bah, en fait, c'est en face qu'il faut aller. Okay. Pour tourner au point de départ. Travaille. Je veux juste sortir! Laisse-moi sortir! Non, mais par contre, il y a une différence entre hystérie et. Essaie de respirer. Lentement. Me laisse pas! Me laisse pas ici! Ça sert à rien de crier. Oh. Véronica, le courant est rétabli, ça va? Véronica, je te retrouve aux ascenseurs. Oh là, Véronica, elle est plus là. Mais tu... Elle a été bouffée. Elle est juste un peu angoissée, t'inquiète. Crise d'angoisse. Elle s'est fait graille, ouais. Hey, tu vas bien. Regarde. Tu vois, je t'avais dit que tout allait bien se passer. Allez, entre. Oh, elle a interrogé à propos de la base de données. Hein. La base de données. On n'a rien à faire. Ouais. Une seconde. Par contre, on se fait agresser là, non? Sous nos pieds. Il faut encore descendre. 6 étages plus bas. Bon, on va le faire les deux. Hein. T'as toujours été claustro. À ton avis, ça fait plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Hayden, nom de Dieu, on peut parler d'autre chose. Il est doué avec les femmes, lui, hein. Chaque fois qu'on parle à une femme, ne elle parle. Ne pas réagir ou aider Veronica à se concentrer sur autre chose et parler. Ouais, bon, moi je réagis pas, hein, c'est bon. Bon, bah vas-y. Moi j'allais être gentille pour une fois. Si c'est pour me faire engueuler encore. Ouais, hein, fais-toi bon, bouffer là, c'est bon. Super, plus de lumière encore. Attends, je vais trouver quelque chose. Elle va encore nous gueuler dessus. La lumière, la lumière. S'il y avait l'électricité ici, on là. Pourrait alimenter tout l'étage. Il y a un truc là, un câble. On doit trouver comment ouvrir ces portes. Peut-être de l'autre côté. T'as un passage ? Là. Suis-moi. Oh, je l'avais pas vu, ça va rentrer. Oh, bien vu. Ok, et je dois trouver... Attends, j'ai plus que 5 mètres. C'est trop court. Ah, mais c'est pour ouvrir depuis l'autre côté, je pense. C'est un peu étroit oui. ici. Et toi, tu dois passer avec le câble de l'autre côté. Ouais, après, alors vas-y, attends, je reviens. Vas-y, je t'attends. Accroche-tâche. Ah, mais je vais te laisser faire maintenant. Ouais. Là, je peux ouvrir. Coucou, binôme. Je vais pouvoir t'ouvrir. Vas-y, passe ton câble déjà. Tu la resets ? Ouais. Ouais, ok. Par contre, attends, j'ai pas vu. Bah, je sais pas, moi, je viens de gauche, mais j'ai pas vu ton. Attends, mais ça va être encore court cette histoire. J'ai plus que 3. Bah, j'ai plus de mètres là, dis-toi. Ça bip. Véronica, tu tiens le coup ? Je veux juste atteindre cette base de données et me barrer de là. Tu j'ai plus bien. Le câble, comme ça je t'aide à chercher. Pourquoi tu m'aides réellement ? Ah. Tu prends un sacré risque. Viens, il y avait un crochetage du coup là-bas. J'ai promis de t'aider. Ah, j'arrive. D'accord ? Ok, je comprends. Tiens bon, je vais faire aussi vite que possible. Attends, mec. Merci. J'avais cru voir. Je pensais que c'était le. Il y a un crochetage, mais il faut comment tu accèdes ? Là, ici, viens. C'était cette box que je te parlais. Quand j'arrive. Crochetage difficile, je te laisse faire moi maintenant. Oh là là. C'est l'experte. Hein. Attends, l'experte, t'es fou, hein ? Ah bah maintenant que ça fonctionne. C'est je pour vais te dire les... que je vais te laisser faire tous les crochetages. Hein. T'en sors ? Ah, j'y suis presque. Hein. Et là, ça va casser au moment où tu es presque. Bah, il, ouais, il a cassé quand j'y étais tout presque. Hein. Ouais, hein. Ouais, c'est bon. En vrai, ça dépend. Des fois, ils sont assez simples, même les difficiles. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Ok. J'ai. Attends, mais là, il y a une porte. Ah, mais il est là, le truc, regarde. Bah, comment on y va, du coup? Elle est derrière ça. Mais attends, est-ce que... Si c'est à droite, là. Là. Est-ce que... Voilà, là je peux monter, donc je vais pouvoir y aller. Ah bah vas-y. Il y avait encore un câble. Coffre, hein, mais... Je vais aller t'ouvrir. Normalement ça doit être... Ah mais non, je vais pas pouvoir y aller en fait. Attends, ah ouais mais... Ah là-bas. Ça va Véronica? Elle se sent bien pour le moment. Ça vous dérange si j'éteins la lumière là? Ça me pique un peu aux yeux. Il voit rien donc bon. Bon, je sais pas si je vais aller vraiment dans la bonne pièce comme ça, mais bon. Bah, je vois que tu t'approches de moi, t'es à 10 mètres. Mais... Ouais, bah écoute, je suis. Hein. Ah, mais. Je sais pas où tu vas, mais. T'y vas en tout mais cas. J'y vais. Ah, si c'est bon. Mais tu vas passer par le conduit, je te vois. Coucou. Oh. Ah, si c'est bon, voilà. Ok, et là tu vas pouvoir m'ouvrir. Tada! Ah, nickel. Ah, pour lui reparler. Ah oui, j'attendais qu'il se passe un truc bêtement. Moi aussi. On va se faire encore engueuler. C'était une bonne idée de rediriger le circuit. Ouais, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Véronica, on y va? Oui. Finissons-en. Et après, on se tire. Par ici. L'ordinateur principal est ici. Tu vas enfin savoir ce qui est arrivé à ta sœur. Elle est tout ce que j'ai. Et tes parents? Je me souviens pas d'eux. Juste d'elle. On... On formait une bonne équipe. Sans elle, c'est comme si...
Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais Arrête pas de la bloquer là. Pardon, mais merde, on va pas assez vite là. On est tous différents de ce qu'on était il y a 15 ans de ça. On s'est tous égarés. C'est qu'elle va pas bien vite. Ah non, elle prend son temps là. Seize. C'est encore verrouillé. Et maintenant ? Le terminal est inactif. Le système de sécurité a isolé cette zone. À moi de jouer. J'ai peut-être une idée. Essaie de trouver la salle des officiers. Il y a un bureau de sécurité. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Tu devrais pouvoir utiliser ta clé du GRE pour ça. T'en connais un paquet sur ce bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne « Déverrouillage d'urgence » sur l'écran. Je t'expliquerai tout quand on aura terminé. Tout le monde veut toujours tout m'expliquer, mais quand j'ai fini le taf, quoi. C'est généralement ça, ouais. Ah, y a un truc à crocheter, là. Difficile. Vas-y. Je les vois. Eh, tout shot. J'ai pas cassé de crochet. Mince, il faut que je t'attende ici. Ah, tu t'étais déjà barré, je m'en doutais. Je m'en doutais, en fait, hein. En fait, moi, je suis parti direct dans la direction de la quête, et du coup... tu m'as dit ça, je me suis allé, j'ai la flemme de me retourner, hein. Ouais, mais on a peut-être un autre problème. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider ? Non, je pense pas. Reste où t'es. Non mais encore ? Allez, vas-y. Experte. Hop après, là, c'est fait. Une veste en... Ah bah alors ça, j'avais pas encore. Une veste d'hiver ? Ah, j'avoue que par contre, c'est niveau 4. Ah bah, moi je la mets. Hein. Elle est tank, en plus. Ouais, vas-y. Ça sera pas négligeable. Hein. Attends, mais tu sais qu'il y a plein de trucs. Tac. Ah, là, j'ai niveau 4, mais... qualité ton perso, il twerk. Quoi ? Ouais, il twerk. Ou t'as des spasmes peut-être. Ah bah oui, toi aussi. Chelou, hein. Eh ben, c'est vraiment la zone full conduit là. Ouais, je pense, hein. Bon bah. Ça me fait pas peur, moi. Maintenant on fait que ça, tu sais. C'est des médecins. Ça one shot. Ah, mais... ah non, il était pas one shot. Attends, remets-le au sol. Vas-y, refais. Ok, et là normalement. Bam. Oh. Le combo. Allez, c'est fait. Joli. Bon, du coup, ça se loot pas ça. Attends, faut peut-être buter. Crochage difficile. Ah, mais je l'avais même pas capté. J'étais en mode il bouge pas. Mais il bouge pas lui depuis tout à l'heure. Pourquoi il bouge pas, ouais. Mais il est pas mort là, si, je l'ai buté. Je sais pas, fais le crochetage. Il est où ? Là. Ah là ? Ah, oh, mais tu sais, je suis pas une craque, hein. Bon, en vrai, ça va, hein. Ah. Cassé. Ça me fait économiser de la ferraille comme ça. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, hein. C'était, bah, c'est bon. Non, pour. Pour vous dire, on les fait pareil, donc que ce soit l'un ou l'autre. Ah, il y a oh, des brassards légendaires. Enfin, ah, j'ai je dis légendaire, mais je sais pas. Casque légendaire, moi. Oh. De rôdeur. Alors le problème, c'est que c'est les dégâts d'armes à distance augmentés, ouais, mais ça. Du coup, faudrait que j'équipe. Ouais, d'armes à distance. Arc, vas-y. C'est un peu de la douille quand même. On va équiper le meilleur arc. On va essayer d'équiper les meilleurs. Je vais mettre ça quand même. Attends, par où est-ce qu'on doit passer là? Ah, il y a une. Ok. Ah, mais j'avais pas équipé la bonne. Je croyais que c'était cette tâche-là que j'avais équipée lors du dernier combat, mais non, en fait. C'était pas la bonne. C'est pour ça aussi. Ok, là, franchement, on a des bons trucs. Et bizarrement, j'avoue, bizarrement, c'est la grande hache. Ah, mais parce que c'est une à deux mains.
Et c'est un truc rare, du coup, et pas historique, et a fait plus de dégâts. Et solide. Viens. Oui, pardon. Il y a un truc là. Attends, viens. Il faut qu'on soit tous présents. Attends, j'ai vu le ventilateur bouger. Docteur Veronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Médecin du GRE intermédiaire, mon cul. On dirait le bureau de Veronica. T'as pas été honnête avec moi, Veronica. C'est qui ce garçon? Peut-être son fils? Eggdon. C'est drôle. On dirait qu'il y avait une autre Veronica Ryan, directrice des laboratoires d'études. Je comptais te le dire. Pourquoi tu m'aides? Tu travailles avec Waltz? Waltz? Non, jamais. Même à l'époque, je m'y opposais. Waltz avait sa propre équipe de chercheurs. Mais t'étais au courant de ces expériences? Comment ils ont utilisé des enfants? Ma sœur et moi? C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas l'oublier. Tout ce qu'on a fait ici. Comment on vous a laissé tomber? Tous ces gamins qui souffraient, sans aucun remède pour les soulager. Remède? On avait 5 ans, bordel de merde! Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. On y a vu une corrélation entre l'âge, le développement cérébral et la gravité de l'infection. C'est pour ça qu'ils faisaient des expériences sur vous. Le GRE, le monde, avait besoin de vous. Vous sembliez être notre seul espoir. Je suis désolée. Étais-tu impliqué? Ouais. Alors, t'étais impliqué dans ces expériences? Non. Les tests sur les enfants ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé toute forme de contrôle. Un à un, nous étions enfermés à l'intérieur. On se cachait. Et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les conduits de ventilation. Mon fils était là avec moi. Paul. Il avait 5 ans à l'époque. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? À mon avis, la question, on a un peu la réponse. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. J'ai trouvé le conduit qui menait à l'entrée principale. J'ai dit à Paul de m'attendre. Il m'attend toujours. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit d'attendre que je m'assure que l'entrée était sûre. Il s'est accroché à moi. Il ne voulait pas me lâcher. À mon retour, il n'était plus là. Je ne m'étais absentée que 15 minutes. Que 1h30. J'ai passé la semaine suivante à le chercher. Et le reste de ma vie à pleurer. J'aurais dû m'en douter. C'était qu'un gamin. Effrayé, seul. Je suis désolé. T'essayais de le sortir de là, comment t'aurais pu le savoir? Enfin. On a tous nos histoires passées. Autant nous concentrer sur ce qui nous attend. Allons-y. Ok. Allons-y. L'entraînement à l'arc pendant ce temps-là. Oh, mais les armes, elles deviennent quand même pas mal badass. Hein. Ouais. C'est cool, hein. Ah, pardon, faut lui parler. Alors, on y va? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Toutes les données du GRE sont là, Aiden. Ça y est, on va avoir toutes les infos. Oh alors, hey, enfin. Dans ce jeu... Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce jeu, j'y crois plus, moi. Et voilà. Eh ben, restez. Mais c'est bon, il passe.
c'est coincé. Mais oui. Et puis merde, non, j'y vais. J'en ai marre d'attendre. C'est ouais. Le moment d'obtenir des réponses. Oh. Ah merci. C'est quoi cette zone par contre? Wow. Ça fait un peu peur. C'est parti. Comme ça, à chaque fois qu'on pense toucher au but, il se passe un truc, donc... Ouais. Voilà. Véronica, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Véronica, ça va? On a déclenché l'alarme. L'utilisation de la procédure de décontamination. Procédure de décontamination, c'est pas bon, ça? Effectivement. Décontamination chimique, c'est mortel. Mais comment on l'empêche? J'en sais rien. Véronica? Véronica! Gardez votre calme. Ça me perturbe, je peux pas m'empêcher de lire les dialogues en même temps et c'est pas les mêmes des fois donc. Ouais. Fais quelque chose! Je réfléchis. Réfléchis, plus vite! Les bloqueurs, il m'en reste un. Il va falloir que tu t'en trouves un. Et où je vais trouver ça? La salle de contrôle, ils en ont peut-être gardé là-bas. Allez, trouve la salle de contrôle. On n'y arrivera jamais, hein. Ouais. Allez, c'est là-haut, là. Faut monter. Vite. La salle de contrôle. Ah, je pensais que je pouvais monter. Toi aussi, hein. Peut-être avec ça. Parce que de là où je suis, moi, je peux monter là. Et je pense qu'en vrai, il faut qu'on monte là, peut-être. Non, je peux pas monter là. Là, il y a un conduit. Ah, mais là-bas, il y a une échelle, hein, sinon. Ah ouais. Ouais, une échelle, c'est bien aussi, je trouve. Ah, c'est pas mal. Elle est où, l'échelle? Là, ah, de oui, mon côté, regarde. C'est pas mal. Oui, il reste 40 secondes, on panique pas, hein. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un timer, moi j'étais en mode tranquille. Ok, là il faut aller là. Ah non, au-dessus, j'ai capté après. Je l'avais le bail en fait, c'était bon. Ouais, j'ai compris après. C'est par au-dessus, vas-y toi, tu peux le mais faire. Mais comment? J'ai pas réussi. On est foutu. Mais... on va se faire décontaminer. Je vais louper trois fois l'échelle. Là, il faut aller en haut en fait. Ah non, ça marche pas. Ah, c'était peut-être pas je ça alors. Je comprends pas comment on fait justement. Bah là, on est à zéro. Hein. C'est forcément par là-bas, mais. Ouais, je sais pas pourquoi on a pas pu par contre se suspendre en haut. Pour moi, c'est. Bah, pour moi, là-bas. C'était ça aussi. On va voir. On va checker. Ça me paraissait logique. Alors après, sinon, il y a le grappin. Hein. Faut monter. Oui, c'est vrai. La salle de contrôle, à l'étage. Ah, oh, t'as raison, le grappin, ça marche trop. Pas bien. Et du coup, de là où je suis, est-ce que je peux pas grab? Ah, mais attends, est-ce qu'il fallait que je le fasse ah, comme j'ai ça, pu là, rentrer dans une salle, mais c'est pas la bonne, grâce au grappin. Procédure de décontamination. Vite! Je sais, bordel! Mais moi je le fais au grappin, ça m'a saoulé. Hein. Mais mon grappin. Ah, mais je suis pas avec le grappin, je suis avec la lampe, mais c'est horrible. Ouais, en fait, c'est la molette. Non, mais oui, mais. J'étais avec la molette, mais avec la lampe. Mais c'est l'épisode de la galère là. C'est pas possible, hein. Ok, j'y suis. Comment t'as fait? Avec le grappin. En fait, je me suis accroché aux écrans, là, les gros écrans, et après, je me suis balancé vers là. Ah, mais je peux pas aller là non plus. Oh là là, mais c'est horrible. En fait, on est obligé. Bah, moi, je meurs. Oh non! Bah, si, hein. Mais vu que j'ai ouvert le sas, je pensais que c'était bon. Moi, je suis mort, hein. Ok, fais comme moi. T'as les grands écrans, tu te grappines aux grands écrans direct. Tu te grappines aux grands écrans? Ouais. Là, enfin, au-dessus, c'est le mur, le plafond. C'est et là, tu te balances. Ça fait comme ça. C'est pas grave, ça marche. Voilà. Viens! Je sais, bordel! Bah, j'avoue qu'en vrai, ouais, ça marche bien. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas bête. C'est mais pas où ensuite. Je suis qu'il y avait un chemin vers là-bas, hein, que c'était censé être fait comme ça, mais je sais pas. Ok. C'est quoi, c'est le truc de son là? Oui. Ah, c'est bon. J'en ai trouvé un! C'est ça! Ah, place à la meilleure partie. Aiden?
Aiden, tu vas bien? Ouais. J'ai utilisé l'agent bloqueur. Dieu merci. On est en sécurité maintenant. C'est bon à savoir. Prêt à brancher? Tu plaisantes? Vas-y. Allez, croise les doigts. Le moment de vérité. Merde, il est cassé. Oh non, tu te fous de moi? C'est ça, c'est juste un vieux système. Attends, donne-moi la clé. Accès autorisé. Il y a une liste des patients et du personnel. Qui est-ce que tu veux voir en premier? Bah notre sœur. Bah oui, à ton avis en fait, on est la première, non? Non mais Aiden, c'est le mec qui répond lui-même. Cherche Mia. Est-ce que c'est ta sœur? Oui. Rien. Impossible, elle était là, avec moi. Je cherche. Désolé, Aiden. Aucune patiente du nom de Mia. Putain! C'est impossible. Waltz? Ouais. Waltz. Je regarde. Une entrée. Étude clinique. Substance 1354. Projet abandonné. Tous les patients ont été libérés du centre. Consulte tous les noms. Ah, patients libérés. Tous les patients? Oui. Oh, fais chier! Rien sur l'endroit où ils ont fini? Ou sur cette substance-là, 1354? Désolé, Aiden. En fait, c'est tout là, c'est les infos qu'on a eues. Bah, autant ne pas y aller, c'était pareil. Hein. Consulte mon nom, Aiden. Aiden, il y a un dossier parmi les plus jeunes enfants. En l'an 2020. Aiden Caldwell, c'est ton nom de famille? Ça l'est maintenant. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Données classifiées. Une seule entrée. Avertissement. Le patient affiche une tolérance à la substance supérieure à la moyenne. La plupart des tests ont été effectués. Résultat exemplaire. Tu vas bien? Ouais, je crois. Il y a autre chose? Non. C'est tout. Il y a autre chose. La substance a également été testée sur des infectés, aux infrastructures du GRE à l'autre bout de la ville. Sans succès. Le projet était dirigé et supervisé depuis X-13. Ils ont fini par le fermer, tout comme ils ont fermé X-13. Donc y a rien d'autre sur ce X-13? Là-dedans? J'en doute. Mais j'en ai entendu parler. X-13 était un centre d'opération du GRE. Et la substance, tu sais ce que c'est? Il y a eu tant de tests et d'études cliniques, Aiden. Laisse-moi accéder au dossier de la base de données. Y a un problème. Tu veux dire quoi? Une procédure semble s'être lancée. Une autre procédure? Je vais aller voir ça. Un tas de données. Lancées, puis arrêtées, il y a 11 ans. Reprises il y a quelques jours, à X10. Et il y a une carte. Il y a plusieurs emplacements de signalés, y compris l'observatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'en ai aucune idée, mais... Alerte intrus. Alerte intrus. Et c'est reparti. Désinfecté? Il doit être quelque part. Dans le coin. Ah, ils parlent bien, les infectés, hein. Les gars. Ils ont dû nous suivre. On n'a pas le temps. Ils évoluent, hein. Vite, prends la clé. Va te cacher quelque part et ferme derrière toi, je m'en charge. Aiden, on ignore combien ils sont. Je m'en charge. Mais on oui. va passer en mode rage, là. Ah, j'avoue. On va se transformer, on va tous les buter. J'avoue, t'as tellement raison. Ouais, parce qu'ils se sentaient pas bien juste avant. Thank you.
Ils nous mettent comme ça, comme si on allait jouer en fufu, tu sais. Ouais, vas-y, vas-y, j'élimine le mec là-bas. Discrètement, tu vas voir comme je suis discrète. Ah, ah ouais. Ah, c'est un peu foiré, hein. Oh non! C'est sérieux, mon gars? Ben voilà! C'est bien réparti les tâches. Véronica, tu vas bien? Oui, mais j'ai des mauvaises nouvelles. On dirait que les positions du système du GRE sont des cibles. Des cibles de frappe de missiles. Des frappes de missiles? De quoi tu parles? Le protocole de sécurité. Il nous reste peu de temps. Écoute, ça c'est Riverrand et Garrison. C'est dans la boucle centrale. Il y a des gens qui y vivent. Tu dois prévenir Frank. D'accord. D'accord, je m'en charge. Frank? Frank, ton quartier apparaît sur une carte tactique. Tu dois leur dire d'évacuer tout le monde. Quoi? Pas le temps de t'expliquer. Fais sortir tout le monde de là. Comment je vais faire ça? J'ai aucun moyen d'envoyer une diffusion d'urgence. Je vais essayer d'avertir tous ceux que je peux. Oh merde! Ouvre, bordel de merde, ouvre! Attends ici. Je vais essayer de me les faire par là-haut, ok? Tu seras en sécurité ici. Ça fait comme son gamin, à lui dire tu seras en sécurité ici. On reviendra dans 15 minutes et il n'y a plus de... de Véronique, hein. Ça faisait une heure. Okay. Alors, par là-haut, il a dit. J'imagine là. Ah, t'es là? Ouais. Attends, tu pouvais juste venir ici, je pense. Ah, parce que là, je me suis compliqué un peu, non? Oui, oui, saute juste sur le truc derrière toi. Voilà, là. Et maintenant, tu viens jusqu'à moi. C'est tout. Ah oui, c'était très simple. Oui, je cherchais un peu compliqué. Ça m'arrive souvent, ça. J'ai entendu parler de toi. Disons que je suis assez fan. Ah ouais? Tu veux un autographe? Je vais te triper! Je vais en la décoration avec tes tripes! Attends, j'ai des molos qui traînent, il y en a une que je veux envoyer. D'accord. Attends, tu l'as envoyé sur moi là? Oui, parce qu'il était là à la base, le monsieur. C'est vrai. Du coup, bah, il y a eu un petit problème quoi. Oh oh. Mais ça m'impressionne pas. Le chef est mort. Pas. Je suis mort. Mais non. En attente de réanimation. J'arrive. Il devait y avoir un archer, je pense, parce qu'il n'y en avait pas autour de moi, je crois. Ah merci. Quoi, y'avait un archer du coup ou quoi? Ouais, il était là, je viens de le buter. Ok. Ah, bravo. Bien joué. Véronica, je crois que c'est bon maintenant, mais on doit continuer. Véronica? Et voilà. Ouais. Tu l'avais dit. Ah, écoute, on va passer par en haut. Je colle, hein, mais bon. Ah, faut repasser là? En fait, c'est simple, hein. T'es Véronica, juste envoyé au-dessus de toi et au final. T'es là? Ouais. Au final, tu montes ici. Faut passer par où? C'est là, non? Bah, attends. Logiquement, oui. Ça a été mis à jour. Le point pour être sûr. Ouais, bah. Dis-le votre instinct de l'instinct, survie. Je veux bien, mais ouais, il marchait pas, mon instinct. Oh, elle doit être là-dedans, regarde. Ouais, c'est là. Elle a marché Véronica, ici. Réponds-moi. J'ai dû sortir, Aiden. Je suis désolée. Je me suis sentie coincée là-dedans. D'accord. Où est-ce que t'es? Près des ascenseurs. Je... Véronica? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Oh non! Non, non, non! Véronica! Elle était là.
C'est sa radio. Trouvez-la. Je vais peut-être me soigner parce que s'il y a Volt, ça... Ouais, moi je me suis pas soigné. Full life. Ouais, c'est là, c'est en face. Attends, c'est quoi ce bordel? J'ai un point en haut, un point en bas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est... Ils vont pas tarder à me trouver. Dépêche-toi, Aiden. Ok, faut monter dans l'ascenseur. En fait, ouais. Il y a quelqu'un ici. Je me disais, je l'ai ouvert, c'est étonnant qu'on fasse le tour. Je peux pas courir sur le mur de là. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Ah, c'est horrible, j'appuie sur C, il descend pas. Véronica, quand tu t'accroches, mais... c'est chiant. Accroche-toi, Véronica. Oui, mais. J'arrive. Prenons la discussion sur ma sœur. Véronica, sors vite! C'est le moment où je vais courir, non? Ouais, on n'est pas en mode affrontement là, on est en mode course hein, pour l'instant. C'est que de la course à chaque fois. À chaque fois, lui, on veut pas l'affronter. Hein. Justement, je voulais voir s'il y allait pas avoir un truc comme ça. Mince, j'avais pas vu. Moi ça me fait paniquer. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait une bêtise? Oui. En fait j'ai pas pris l'escalier, j'ai sauté. J'avais pas vu que l'escalier continuait, du coup j'ai voulu sauter. Je crois que c'est bon? Ah, je suis avec Volt, hein, mais j'arrive. Oh là là. Moi j'ose pas regarder derrière moi, j'ai trop peur qu'il soit là. Ouais, t'inquiète, il m'a mis un coup, il a pas one shot. Ah! C'est de la bière. C'est pas mal. Mais barrez-vous, hein. Véronica, sort! Oh la putain de clé! Donne-la-moi. Attends, mais lui, il craint l'UV? Ouais, parce que pour comment moi, le mec... il a des gènes de rapace ou je ne sais quoi en lui. Clé, fumier. Qu'est-ce que t'as fait à Mia? Petit garçon. Mais non. Faut courir ou faut le taper? Ah, il a mis jauge de vie et tout. Tu es Waltz. Ça a pas l'air de bien marcher, ça. Hein. Ouais, je crois que c'est fait exprès pour pas qu'on puisse faire un truc trop... What? Je vais te tuer! Alors... Là, j'ai des grenades! Lui. Bien joué, ouais, elle a explosé derrière lui. Ah, celle-là était belle, genre. Attends, mais t'en as envoyé combien, par contre? Bah... quelques jus. Je me heal! Oh, non, mais attends, mais je peux même pas l'esquiver, quoi! Regardez. Des pas de côté pour esquiver. Hein. What? Je vais me heal. Hein. Non, non, je prends envie de la sentir. Oh, par terre, finis-le! Oh, non, on peut pas! Je peux pas, je suis en pleine crise! Non. Ah, j'y ai cru, hein! Ouais, mais non. Ça fait des années que tu aurais dû mourir. Ah oui. Aiden? Attends, tout ira bien. Allez, tiens bon. Ah mais je vais bien. Ça se voit pas comme ça, mais... I'm ok. Là, je suis à fond. Ça va aller, Aiden. Ça va aller.
Non mais elle va se faire attraper là. Bon, en fait, je pense que notre sœur, on a dû la buter entre temps. Hein. Ben, la... tu dis ça en rigolant, mais. Vu la gravité. Tu sais que c'est large possible, hein. Ah, bah oui, non, mais clairement. Et là, tu lui fais les poches pendant ce temps. J'avoue. Véronica. Oh mon dieu, non! Et l'autre. Bon, alors du coup. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai montré la vérité. Quoi? C'est trop tard. Aiden. Aiden, t'es où? Aiden! 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 Alors voilà elle! Juste là, c'est la signale! Oh, j'avais oublié elle! Hein. Vite! Sous les gravats! Il est là! Aiden! Reste avec moi! Walt, c'est la clé, Lawan. La vache, tu pèses lourd, Aiden. Ah, on y est presque. Accroche-toi. Tiens bon. Voilà. Merci. Faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Je me suis inquiétée. Et ça m'arrive jamais d'habitude. T'approches pas de moi, Lawan. Wow. C'est pas comme si j'attendais des fleurs. Mais je t'ai sorti d'un tas de gravats et je t'ai porté jusqu'ici sur mon dos. Alors, un petit merci serait bien. Tu comprends pas, Lawan. Je... Tu quoi? J'ai tué Véronica. Quoi? Je l'ai tuée. Et c'est pas tout, je me transforme. J'ai vu le corps de Véronica. On aurait dit qu'un rapace l'avait déchiqueté. T'as pas pu... Eh ben voilà. Ah, les expériences de Walt ont fait de moi un monstre. Ouais. C'était moi. Les expériences de Walt... à l'hôpital. Il y avait rien sur Mia dans la base de données du GRU. Mais la drogue que Walt nous donnait... Elle a bien fonctionné sur moi. Walt m'a dit que Mia était morte. Il faut que je parte. Je suis une menace si je reste ici. Pour vous tous. Et s'il t'avait menti? Mia est peut-être vivante. Et même si c'est pas le cas, t'as pas tué Véronica Hayden. C'était pas toi. Je répète, ce n'était pas toi. Si Walt est responsable de cette transformation... On va l'obliger à y remédier. Compris? Je vais t'aider. Comment? Walt a créé des inhibiteurs. Il doit savoir comment contrer leurs effets. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est sûrement encore un bâtiment qui s'effondre. Oh mon dieu. Le boucher. Il a fini ce qu'il avait commencé il y a 11 ans. C'est Walt. Il s'est servi de la clé, c'est là que tout a commencé. De quoi est-ce que tu parles? Dylan voulait pas que Walt ait la clé du GRE. Il savait que la ville serait menacée. Walt a pris la clé à Véronica. Et il s'est enfui. On dirait qu'il veut s'en servir pour autre chose. Tu vois maintenant? Tu dois absolument les arrêter. Lui et Williams. Peu importe ce qui se passe. Lawan. Je contrôle pas la transformation.
À tout moment, je pourrais... Si tu sens qu'il se passe un truc, tu te mets sous une lampe UV. Je les arrêterai pas toute seule, Aiden. D'accord. D'accord, on y va. Voilà, ça c'est le Aiden que je connais. Jack Matt te cherche. Apparemment, il a trouvé le moyen d'entrer dans la forteresse. Va au bateau et prends les infos. Moi, je dois aller au Fisheye pour rendre visite aux blessés. Ainsi qu'à Frank. Il est allé avertir les autres avant l'arrivée des missiles. Il paraît qu'il est dans un sale état. Aiden, personne ne doit savoir. Pour Veronica. N'oublie pas. Je sais que c'est pas toi qui as fait ça. Mais Jack, les pacificateurs, eux, ils s'en foutront. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils pourront pas. Ah, de toute façon, je comptais rien dire, hein, t'inquiète. Ah, moi non plus. Hein. Par contre, on est d'accord que là, c'est... dévasté, en fait. Juste, c'est, ouais. C'est, je pense que c'est le mot. C'est dévasté. C'est dans un état. Ok, 900 mètres. Attends, il n'y a pas moyen de se TP, là ? Ça serait pratique, j'avoue. Je crois que ça va être mort pour la TP, hein. Ah ! Attends. Voyage rapide. Ouais, attends, vas-y. J'arrive pas à le choper, par contre. Ah, si. Parfait. Si on avait débloqué le voyage rapide de The Machin, là, on aurait pu y aller à côté. En plus, il est tôt. Nickel. Attends, mais tu t'es TP, là ? Ouais. Ouais ? Tu t'es TP où ? Parce que je crois qu'on n'a pas vu le Oula. Même. Mais attends. Tu peux te TP directement sur le point hein, de la quête. Hein. Il y a un TP, c'est la zone, en fait. Ah bon ? C'est pour ça quand j'ai entendu dire si on avait débloqué ça, je me suis dit, oula, elle a pas dû aller au bon, là. T'as été au métro Waterside ? Forteresse flottante des pacificateurs. Bah, à la quête, quoi, directement. Bah, la quête. J'ai pas l'impression que je puisse me TP ou je vois pas. Bah, attends, au pire, si, vas-y, comme ça, je me TP direct. Ouais, TP d'abord à moi, au pire, attends. Ah, bah oui, je me disais bien que ça faisait loin. Ouais, ouais, non, mais si on peut se TP à toutes les planques, de toute façon, ça c'est sûr. Enfin, les gros trucs là, les grosses zones. Ah, ça y est. Par contre, moi, enfin, je pense que je vais refaire des grenades en masse pour la prochaine fois qu'on recroise Waltz. Hein. J'avoue qu'à un moment, t'as mitraillé par contre. Ah ouais. J'en ai aussi en rab en plus. Je sais pas d'équiper, je crois, celle-là. Devant vous se tient Juan Renner. Coupable de trahison et de conspiration Oula. Contre la paix et l'ordre à Vildor. Vous trop bien. Conspiré avec le boucher, l'homme responsable des récentes attaques. Oui, j'ai parlé au colonel, mais seulement pour sauver la ville. La personne que vous appelez le boucher est innocente. Le vrai boucher est juste ici, sur ce bateau. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouvrez les yeux ! Matt joue avec nos vies comme il l'a fait il y a 11 ans, quand il a tué la moitié de la ville à cause de son arrogance. Les militaires n'ont pas réussi à évacuer la ville. Vous dites servir la justice ? Si c'est vrai, alors j'exige un vrai C'était procès. Mac, le responsable des attaques de missiles. J'ai entendu des rumeurs, mais... C'est vraiment n'importe quoi. Matt veut attaquer le barrage. S'il le fait, la ville entière sera inondée de produits chimiques. Vous voulez tous mourir ? Attaquer le barrage ? C'est du suicide. Quelqu'un devrait vérifier ça. Le commandant a accepté le procès que vous vouliez. Nous avons vérifié toutes les preuves et, au nom de la loi, de la justice et de l'ordre, vous êtes condamné à mort pour trahison. Aiden ! Mais non. Williams ne doit pas mourir ! Il est ton unique chance de... Et s'il disait la vérité ? Oui, mais si d'autres attaques arrivent... C'est juste une ordure pour mes gars. C'est tout. Attaquer le barrage est une folie. Tout le monde le sait. Ah là là, tout se complique là. Hein. Ah mais pour moi, tu vois, c'est peut-être un con, mais je pense que le mec... Oui, bah là je pense pas qu'il ait forcément menti surtout, mais... Puis en plus de ça, j'ai un problème moi, qu'est-ce que je fais là ? Quoi ? Ah ! Enfin... Ouais, voilà, fais ça. Mais pour moi, il a pas menti, hein. Et je pense que Matt, il doit pas être... Coupe ou rose dans cette histoire, hein. Bon, Matt, on va devoir parler. Ouais. Là, tout en haut. Puis ça suffit de tousser maintenant quand on te parle. Il y en a marre. Là, ça te sauvera pas, mon gars.
un instant, j'ai eu peur de t'avoir perdu. Tu regardais ? Ouais. J'ai été témoin de ma part d'exécution, Aiden. Les condamnés diront n'importe quoi pour sauver leur peau. C'est pourquoi la torture s'est avérée inefficace. Lawan m'a dit que tu savais comment entrer dans la forteresse. Je dois y entrer. Comme toujours, prêt pour l'action. Repose-toi. T'as pas l'air bien. Comment ça s'est passé avec le docteur du GRE ? T'es entré dans leur base de données ? Ouais, mais les informations que j'espérais trouver n'y étaient pas. Aiden, ça va ? Merde ! Je vais chercher le docteur. Non, attends. Qu'est-ce qui va pas ? Ah non, je vais certainement pas l'admettre devant lui en plus. Et si Juan disait la vérité ? T'en fais pas. Je vais bien. T'en es sûr ? On a des problèmes plus graves, Jack. Et si Juan avait raison ? Et qu'attaquer le barrage était trop... Juan était un menteur et un traître. Il essayait juste de blanchir ses péchés et ceux du boucher. C'est tout. Williams paiera pour le bombardement de la ville. Il savait ce qui allait arriver. Il a retiré ses troupes des endroits qui ont été bombardés. J'ai vu Walt déclencher la procédure de bombardement. Si Walt a fait un truc pareil, c'était sous les ordres de Williams. Tu m'as demandé comment entrer dans la forteresse. D'abord, j'ai besoin que quelqu'un se faufile là-dedans et abaisse les cloisons. Ça fera baisser le niveau de l'eau et ça nous permettra d'entrer par un sas. La forteresse a été impénétrable jusqu'à présent. Comment ce... quelqu'un peut-il s'y faufiler ? Le boucher a utilisé des camions pour évacuer les gens de ses camps. Un de ses chauffeurs fait partie de mes effectifs, disons ça comme ça. Effectif ? C'est un putain de traître. Mais ce qui compte, c'est qu'il trahit nos ennemis. Il te fera entrer. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance ? C'est un renégat, non ? C'est le moyen le plus sûr pour entrer dans la forteresse, crois-moi. Et le moins risqué pour empêcher le boucher d'inonder la ville. Attends mon signal. Je vais rétablir le contact avec le chauffeur et je te tiens au courant.